crois qu'on sait faire ça comme ça? Comment le feu est allumé là? Ça, je m'inquiète absolument pas. Donc là, je pense qu'on va mettre toutes les dernières pommes à bébé Dan. Parce que j'ai vraiment pas envie qu'il crève de faim. Et c'est le seul qui va pouvoir manger. Les autres, ils vont mourir de faim, tant pis. Parce que le bébé en premier, on est d'accord. Alors Penny, tu n'as plus rien à manger. On va pas... Ah mais si, attends, Penny. Penny, elle a 4 pommes. Ben mange tes 4 pommes, c'est tout ce qui te reste. Tant que Denis travaille, qu'est-ce que tu qu'on fasse? Nous, on apprend à bébé Dan de parler. Ben, apprends-lui à parler, s'il te plaît. Pourquoi tu veux pas? Il veut dormir? Non, 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 tu vas pas dormir tout de suite. Tu vas apprendre à parler. Et après, tu vas dormir. Voilà. Maman, elle te fait l'école à la maison. Elle fait ce qu'elle peut, ok? Communication. Et non, il peut désormais parler. Ça sera déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il y a pas? Il doit dormir. Bon, maman, tu as arrêté, c'est bon. Tu l'as appris à parler. Lire une histoire et l'endormir. C'est parti. Et tu le bordes. Voilà. Voilà. Et maman, maintenant, elle va dormir, non? Le toilette. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Bientôt, on aura des toilettes, chérie. On va privilégier les toilettes. On va privilégier le confort parce que là, c'est pas gagné-gagné. Hein. Aller faire pipi dans le buisson à des kilomètres, là. Alors, tes compétences à toi, mon bébé. 3 en communication, 2 en imagination, 2 en mouvement, 2 en peau et 1 en réflexion. Faudra bosser la réflexion. Ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Douda, papa revient. La la la, la la la. Et à minuit, on répare tout ça. Parce que là... Oh, Denis, non, 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 non. Il meurt de froid. Non, non, non. Pourquoi tu te balades aussi? Pas avec les bons vêtements. Pourquoi? Moi, je suis obligée de te supporter. T'as une tenue hein, d'hiver. Regarde, elle est là. Hein. Et tu vas me laver tout de suite. J'ai pas envie que tu meurs. Hein. On est foutu si tu meurs. Moi, des bêtises comme ça, il m'en faut plus. Allez, où notre maison? On habite où, là? Moi, je peux plus des bêtises comme ça, des gens comme toi. Ça va pas du tout, on ne sait rien faire avec des gens comme toi. Allez, tu dors et t'arrêtes de râler. Allez, 59. Dimanche! C'est bon, c'est parti, maman répare. Maman répare, maman essuie. Maman répare, maman essuie tout de suite. Tout de suite, la journée, elle est dure. Et moi, je vais acheter des choses pendant ce temps-là. Ouais. La poubelle. Parce qu'on a, tout perdu, le truc pour le travail. Alors papa, il a besoin de faire de la comédie. On va déjà penser à ça parce que sinon on est foutu. La comédie. On n'aura pas d'ordinateur, ça c'est sûr. On est vraiment dans la merde profonde. Le journal de maman. La bibliothèque. La bibliothèque. Ça, ça fait du bien. Et maman, elle avait un journal et c'était là-dedans. Et le journal de maman, c'est devenu important. Maman va récupérer son journal et on va déjà acheter des choses comme une table, une chaise, un ordinateur c'est mort mais au moins on a ça, on a le droit de la mettre dehors. Du coup ça fera du bien pour nettoyer parce que c'est dégueulasse cette maison. Enfin, Penny elle sert à quelque chose, elle. Penny elle va même se laver après parce qu'elle aura mérité tout ce qui lui arrive. Hop, alors par contre, Penny, ça, ça va pas le faire du tout. Toi-même, tu sais pourquoi. Et tu vas me jeter ça, parce que c'est dégueulasse. Et après, tu vas me jeter ça, parce que c'est dégueulasse. Voilà. Tu pues, tu pues, tu pues. Penny, elle va déjà mettre sa tenue d'hiver, parce que je connais les Sims. Et je sais qu'ils n'y coûtent rien de rien. Non, rien de rien, non, il n'écoute rien. Oh, ils vont réveiller le bébé, non, non. Ah bah non, lui il rêve de licorne, c'est un enfant. Il est gentil, Dan, franchement, il est pénible, mais il est gentil pour un enfant pénible. Voilà, je l'imaginais un peu plus pénible, tu vois. Alors, si tu veux construire une petite maison, tu dois poser ce cube-ci sur ce cube-ci sur ce cube-là. Voilà, le cube rouge, c'est bien. Tu vas faire un château. Un petit train, moi, je vais faire. Voilà, papa, il t'apprend des choses, t'es obligé. Bah, tu relis Bellatrice. Tu sais pas faire grand-chose, Penny. Hein. Je suis désolée de te faire 10 fois la même chose. Mais c'est la vie. Alors, ça avance, tout ça? Atteins le niveau 3
De la compétence éducation, Denis peut aider les enfants à satisfaire leurs besoins de base tels que la vessie, hygiène et divertissement. Il peut également donner des astuces d'éducation aux autres parents. Denis qui donne des conseils d'éducation aux autres parents. On en parle de ceci. Papa, c'est occupé. Bébé va tout seul au pot. Et papa, il est tout seul. Bonjour madame. James. Le courrier a été distribué aujourd'hui. Il faut qu'on s'en... On n'a pas assez d'argent. On est foutus. Bon, il faut qu'on paye les factures. Il n'y a pas de souci. Sans en avoir. Oui, mais elle a des sous quand même. Elle a une bague en or. Non, bah. On rigole pas avec une bague Crimbo. En or. Oh. Belle tenue, madame. Sorry, hala. Shusha. J'adore comment on peut être fou pour avoir de l'argent. Manger. Alors, elle a gagné 500 Sims Loose Penny professionnel de l'arnaque. Voilà, moi je tiens à préciser. Voilà. Niveau 3 de la compétence réflexion, cet enfant est intelligent. On peut pas avoir de plantation, c'est vraiment pas pratique, j'avoue. Voilà, maman. Parce que maman, elle va devoir repartir à l'attaque bientôt. On va payer nos factures. On fera la manche. Ah, il dort tout seul, cet enfant. Il est pénible. Mais qui est-ce qu'il s'autogère? Moi, je vous dis, j'ai rien à faire, il fait tout seul. Bébé Dan, il fait dodo tout seul, comme un grand. Voilà, parce que lui, il a compris c'était quoi la vie. Oh, l'enfant est très en colère. Alors, l'enfant est très en colère parce que l'enfant a faim. C'est logique. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Alors, tout le monde m'a dit que, en fait, je pouvais réparer. Donc, on va réparer. On va nettoyer. Préparer. Et après, on va s'occuper de cette chose qui pleure. Non, mais deux secondes. Chut. On va faire connaissance. On peut pas tout faire enlacer. Illuminer la journée. Maman, elle travaille. Ça a pas l'air, mais elle travaille. Ah, j'ai pas fait travailler dur, papa. Mais il va bien, il devrait avoir un bon travail, non? Il n'aura pas sa promotion avec moi. Denis a ramené 270 Sims Loose à la maison aujourd'hui. De plus, il a réalisé une fantastique performance au travail. Denis a obtenu un jour de congé. Alors, j'allais dire Molly. Penny va pêcher. Papa, va voir si on sait payer les factures. Ce serait plutôt pas mal. On peut payer les factures. Alléluia. Testing sheets. Money 0. Testing cheats off. Voilà. Comme ça. Parce que une des restrictions, c'est qu'on ne peut pas garder l'argent après avoir payé les factures. On peut pas, on peut rien. Donc on est pauvre comme avant. Papa, il va aller dormir parce qu'il est au bout de sa vie. Et on n'aura jamais aucune promotion avec lui. J'ai bien compris. Et là, il y a plein de femmes, tu vois. Bon. Apparemment Penny toujours aussi bête avec les poissons. Elle va s'attaquer à Nancy Plenosas. Dabishi Slekam Kankuya. Allez un petit prêt. Et voilà, on a eu de l'argent de Nancy. On a plus de chance avec les femmes. Oh, tu travailles dans combien de temps, chouchou? 12 heures, ça va. Hop. Ils sont trop malins pour Denis. Mais Denis, avant, il s'en sortait bien. Je ne comprends pas. C'est peut-être la fumée qui a rendu Denis bête pour pêcher du poisson. Alors, les autres, ils dorment tranquillement. Voilà, on a pêché un poisson qui n'a pas l'air tout à fait... Ce poisson, il a l'air toxique, mais c'est pas grave. On va manger ce poisson, que voulez-vous. Petit Dan. Non, t'embête pas, papa. Papa, il sait pas s'occuper de toi de toute manière. Tu sais bien que t'as... Ça sert à quoi? Au compte ta compétence du pot. Merci. Voilà. Il faut apprendre que les parents, ça ne sert à rien du tout. On ne peut pas compter sur eux. Ils nous ont laissé cramer. Garde. Papa, il sert à rien. Voilà, bébé Dan, ça va, il étudie tranquille. Tranquille, sa réflexion tranquille. Maman, elle mange tranquille, tout le monde est tranquille. C'est bon le poisson. Ça change le poisson, on a mangé des pommes pendant tout l'hiver. Et nous, maintenant, on a du poisson frit. Tellement mieux, papa, il est bien. J'adore sa tête, il est bien là. Papa, il est serein.
Il va bien, il mange du poisson. Ah, c'est l'hôtel 3 étoiles, là. Avec le pot en arrière-plan pas bon. Ah, le pot en arrière-plan, c'est pas ça. Mais regardez-moi ça. Quand tu t'entraînes à ton violon, voilà. Papa violoniste, hein. Papa, c'est le Titanic. Il est le type qui joue de la musique, hein. Oh, regardez, c'est le printemps. C'est beau. Il y a des petites fleurs et tout et tout. C'est une jolie musique de violon. Mais c'est terrible. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ok, ça c'est bon. Alors 77%, donc ça va aller. Nous y croyons. Ça y est, c'est fini. T'as fini, tu hâte. Tu fais pas des bêtises. Alors dans 4 heures tu travailles. Tu vas devoir aller dormir illico, presto, prompto. Tu y vas. Maman, qu'est-ce qui se passe encore ici? C'est quoi ce délire? Tu dors vraiment? Tu fais pas des semi-dodo? Elle est en colère, d'accord. Elle est en colère, ça va pas du tout. Alors bébé, j'irai bien manger avant que ça soit pas bon ce truc-là, parce que on n'a pas confiance aux parents. Oui, ça va aussi. Alors Denis travaille dans une heure. On va pas rigoler, Denis. Bon, ça va, tu peux continuer. Tu mangerais pas un petit peu quand même? Vas-y, mange. Hop, tu peux manger. Vas-y, avant que ce soit plus bon. Alors, atteint le niveau 4 de compétence communication. Dan peut désormais parler de la fête, parler de son animal préféré, raconter des blagues de type toc toc qui est là. Il peut également apprendre les objets à l'aide de cartes de support visuel. Voleur de scène. Denis, au milieu de sa prestation en première partie d'un groupe, lorsque le bassiste du groupe arrive et lui vole la vedette. Oh, non, mais c'est bon, hein. Faut lui le feu, quoi. Il est... On a son troisième solo de 8 minutes et l'heure tourne. Denis a-t-il interrompu pour jouer avec lui pour ne pas gâcher le concert? Bah, il joue avec le bassiste, tu vois. Bravo. Denis, ses doigts parcourent les frettes, créant une mélodie qui s'imprègne parfaitement selon le clavier du bassiste. Le public devient incontrôlable tant il adore ce duo inattendu. Quel concert génial. Petit. Ok. Voilà, Denis. Denis va avoir sa promotion, non? Quand même. Ouais, Denis va avoir sa promotion. Denis, Penny, elle. Maman, elle va dormir. Je sais rien faire pour toi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vas bientôt dormir en fait. Tu peux juste faire un peu de forme le temps que papa il arrive. Voilà. Le temps que Denis il revient du travail, j'aimerais bien que tout se passe bien. Voilà. Pas de feu, pas d'inondation. Denis va dans la toilette en rentrant. Ça va être terrible. Allez, on est mardi. S'il te plaît, Denis, promotion. Denis, promotion! J'en peux plus, moi. Non, pleure pas. Chut, 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 chut. Tu as réveillé maman. Voilà, t'as réveillé maman. T'es fière de toi? Allez, tu fais dos. Et après, il va dormir tout seul. Ah! Ah! On a cru qu'on l'aurait jamais. On est à la moitié de la carrière et on va faire humoriste, évidemment, parce que nous, on ne voulait pas être musicien. Même si Denis, musicien, c'est pas si mal. Ah, Denis sera artisan du rire. Et on a de l'argent. Promu au poste artisan du rire. C'était... Ça fait longtemps. Alors, il a 13 dollars de plus. Le reste, on ne peut pas les avoir. Et pour son travail, Denis peut dormir. Il doit atteindre le niveau 6 en comédie pendant 2 jours et écrire et faire des sketchs. Écrire, je sais pas comment. On est mardi, on ne peut pas acheter d'ordinateur. Il faut qu'on économise. Seulement, il faut qu'on économise, mais en même temps, s'il y a des factures, on est foutu. Alors, je pense qu'on va se quitter là. Denis a enfin, mais on n'y croyait plus, sa promotion. Il est enfin humoriste. Il vieillit bientôt. Alors, on va croiser les doigts pour pas qu'il vieillisse pendant son travail. Parce que sinon, je pleure. Mais vraiment, je pleure. On a peiné à payer les factures et sans Penny qui a fait la manche 2 fois, on n'aurait pas pu payer. On a récupéré une partie de notre matériel. On n'a pas tout, on n'a pas encore l'ordinateur, mais on va essayer de l'avoir bientôt. Dan est toujours un bambin, mais Dan se débrouille très bien. Dan, il apprend tout, tout doucement, tout seul presque. Heureusement, voilà, c'est un peu le bébé de l'espoir, donc il faut quand même qu'il apprenne un petit peu tout seul.
Il peut pas attendre de ses parents beaucoup de choses. Hein. Ses parents, ils ont failli le cramer. On se souvient très bien de cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir à parler avec moi en commentaire. À vous abonner si ce n'est déjà fait. Et activer la petite clochette. Ring, ring. Pour ne rien rater, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, il n'y a pas d'âge pour s'amuser.